Wesh les gars, c'est Samy Fut, bien quoi les mecs? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Fut 17. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux techniques d'achat-revente. Que tu sois sur Xbox One ou PS4 ou même PC, ça marche pour toutes les plateformes. C'est pour petit budget, ça marche tout au long de l'année. La première technique consistera à ouvrir des packs bronze à 400 crédits. Et bien 400 crédits, pas à 750 crédits. Donc on va en ouvrir l'un là juste pour vous montrer. Voilà, on attend que le pack s'ouvre, on va avoir sûrement de la merde dedans, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Donc une fois que vous avez ouvert le pack, vous allez voir plein de choses. On va tout bien trier, tous les éléments, c'est-à-dire écuisson, maillot, stade, masseur, je sais pas quoi, tout vos délires, vous le vendez en vente rapide, ça vous fera déjà une bonne centaine de crédits. Tout ce qui est contrat, on va le mettre au prix minimum, donc c'est-à-dire 150-200, ça va forcément partir, vous allez forcément récupérer des crédits dessus. Les joueurs aussi, vous allez les vendre au prix minimum, 150-200, mais attention, il faut toujours vérifier le prix, parce que si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des SBC, et les SBC, ça peut partir à des prix exorbitants du style 3000, 4000, 5000 crédits, ça dépend des SBC. Donc là, dans le pack, réfléchissez les mecs, on a votre jeu rapide des éléments de club, on a mis en vente les contrats, et là, on a mis en vente les joueurs. Donc lui, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc je pense qu'on peut le mettre un petit peu plus cher. Là, on s'est fait quand même, je pense, plus de 700-800 crédits. Donc vous voyez, on a déjà remboursé le pack. On va en ouvrir un autre pour vous montrer. Donc là, on va tomber sur un joueur rare, peut-être qu'il sera plus cher. Donc voilà, le pack est dégueulasse, mais on a quand même réussi à rembourser le pack. C'est vraiment plutôt pas mal. On va faire exactement la même technique là pour les autres. Toujours comparer les prix, les gars. Parce que franchement, si vous tombez sur des SBC, je vous jure, vous pouvez être refait, mais clairement refait. Donc là, on va mettre les joueurs au prix minimum, les formes prix minimum, tout ce qui est consommable, c'est prix minimum. Les éléments de club, vous les mettez en vente rapide. Les contrats, voilà, ça va forcément partir. Il y en a forcément un qui va faire de l'achat revente sur un joueur et va vouloir mettre un contrat à son joueur. Le joueur rare, on va voir. Bronze rare, excusez-moi, on va voir. Vous voyez, ils se vendent déjà assez cher. Hein, on va le mettre à 650, je pense. Rien qu'avec ce joueur, réfléchissez. Rien qu'avec ce joueur, on a déjà remboursé le pack. Alors, plus les autres, tout ça, on doit approcher 1000-1200 crédits. Pour vous dire, vraiment, ça marche super bien. La deuxième technique aussi orale est dans le marché des transferts. Vous allez mettre première ligue, vous allez prendre or et vous allez mettre minimum 650, maximum 850. Donc là, on va rechercher et à partir de ce moment-là, ça va être très très simple. Vous allez surenchérir sur tous les joueurs intéressants. Alors quand je dis joueurs intéressants, ça veut dire quoi? D'ailleurs, tous les joueurs plutôt pas mal et qui sont rares. Et vous allez faire ça pendant 10-15 pages. Regardez, Roberto Firmino, c'est inévitable. Donc on va le surenchérir pour 950. Clichy, pareil, 800. Sterling, ça part super bien, 800. Et comme je vous dis, vous allez faire ça pendant 10-15 pages. Selon votre patience, Sané, c'est pareil. Sako, c'est pareil. Rashford, pareil, ça part vraiment comme des petits pains. Et vous allez faire ça pendant 10-15 pages. Moi, perso, je le fais pendant 10 pages, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un de style pas très patient. Mais après, toi, si t'as envie de faire 15-20 pages, ça, t'es libre de faire. Ouais. Que vous avez terminé, c'est simple, vous allez dans vos objectifs de transfert et là c'est simple, vous n'aurez pas réussi à voir tous les joueurs, donc déjà vous allez vous débarrasser des joueurs que vous n'avez pas réussi à voir et ceux que vous n'avez pas encore, et bah vous en prenez que ceux que vous vous intéressez. Par exemple, tu vois, Mamadou Sakho à 1000 crédits, ça m'intéresse, tu vois, Mamadou Sakho 1000 crédits, ça m'intéresse. Une fois que vous avez pris tous les joueurs qui vous intéressaient, bah c'est simple, là on va voir sur qui on va tomber. Bah voilà, Olivier Giroud. Et là, on va aller comparer son prix et on va prendre le prix, on va chercher, excusez-moi, son prix d'achat immédiat minimum, mais vraiment minimum. Vous cherchez, 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 donc là on cherche, ouais. Je pense qu'il y en a même à 1800, surtout que le nôtre, il a moins, il a même pas de contrat, vous pouvez lui mettre un contrat, hein, mais moi je m'en fous un petit peu. Donc on va le mettre à 1700 et 1700 là, c'est sûr qu'il va partir et vous faites ça pour tous les joueurs et c'est sûr qu'ils vont partir. Même chose pour monsieur Islam Slimani. Donc voilà, vous cherchez le prix minimum. On l'a acheté à 700 crédits, Islam Slimani. 700 crédits. Déjà, Olivier Giroud, on l'a acheté à 1000 crédits. On l'a revendu à 1700. Ça nous fait 700 de bénéfices. Et c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Moins la taxe de 5% de EA.
Donc on va chercher pour Monsieur Sam Simeni et lui, on va le mettre à 1100 alors qu'on l'a acheté à 700. Donc ça nous fait déjà un 500 de bénéfice. 1100, je crois qu'il coûte un peu cher. Ouais, écoute, un petit peu cher, coûte 2700. On va le mettre à 2000, nous. Voilà, on va le mettre à 2000 et là, vous êtes sûr et certain qu'il part. Vous allez faire ça pour clairement tous les joueurs sans exception et vous allez voir, on se retrouve pour voir. Maintenant, on va voir si nos joueurs se sont vendus. Alors, Milner, vous voyez qu'on l'a mis à 2000, et bah, il est parti à 2000. Notre Jean-Olivier Giroud, il est parti à 1700. Un autre Milner que j'avais mis, il est parti à 1300. Les contrats qu'on avait eu dans le pack de bronze, regardez, il est parti. Islam Simani, il est parti. Ils sont tous partis. Tous les joueurs, je vous ai dit, ils sont partis avec cette technique. Regardez, le joueur bronze là-bas, tu vois, le joueur bronze tout au fond là. Je l'ai acheté pour, c'est 700, pour 500 je crois et je l'ai revendu 3500. Vraiment c'est un truc de fou avec les SBC. Voilà ils sont tous mais clairement tous partis sans exception. Regarde Welbeck 1300, le joueur bronze 200. Ça c'était pour nous rembourser notre pack. Voilà ils sont tous partis. Et clairement là il y a moyen de te faire je pense au moins 50 000 crédits par jour. Vraiment tellement la technique elle est bien. Voilà, là il y a les autres trucs encore en vente, il y a encore plein de pages en vente. Chacun je l'ai vendu à 3500 alors que je l'ai vendu 1000, c'est clairement n'importe quoi. Le joueur bon, je l'ai, je sais pas, il doit valoir 200, je l'ai revendu 750. Il y a plein de joueurs encore en vente. Donc voilà les mecs, la vidéo elle est terminée. J'espère que ces petites techniques d'achat-revente ça vous plaît. Si vous voulez plus d'achat-revente, vous m'éclatez la barre de like, mais vous la défoncez, vous faites ce que vous voulez de cette barre de like. Mais moi je veux voir des likes pour ça me montre si ça vous plaît. Vous abonnez pour plus de vidéos, mon Twitter sera en description, n'hésitez pas à aller me follow. C'était Samy Fut, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao ciao les mecs.